Le château Les Carras se trouve sur la commune de Carente, entre Béziers et Narbonne, dans le Languedoc-Roussillon, l'Hérault plus précisément. Alors, le château Les Carras est un château pinardier du milieu du 19e siècle. C'est un château qui a été construit par un architecte bordelais. Nous avons fait la rénovation du château Les Carras en 2010-2011 et nous sommes ouverts depuis juillet 2011. Nous proposons à nos clients un service d'hébergement et un service de restauration avec d'autres services, notamment en termes de nos tourismes. Concernant l'hébergement, nous avons deux différents types de propositions. On est soit dans le cœur du château que vous voyez là. On va avoir plus des appartements du studio jusqu'à l'appartement avec trois chambres, trois salles de bain. Et ensuite, on va avoir toutes les dépendances du château qui ont été rénovées. Et là, on va avoir des maisons avec deux chambres, deux salles de bain, un grand séjour. Et on va aller jusqu'à la maison avec trois chambres, trois salles de bain, un jardin, une terrasse et une piscine privée. Ce sont des maisons assez grandes, donc qui nous permettent d'accueillir des familles. On est vraiment sur une clientèle fidèle qui apprécie Les Carras et qui a vraiment le sentiment de venir ici retrouver sa maison de vacances. En tout, nous avons 28 unités d'habitation que nous pouvons proposer à l'hébergement. En termes de restauration, nous sommes ouverts toute l'année, à la clientèle de passage également. Notre cuisine, c'est une cuisine de terroir avec des produits frais, une cuisine qui se veut confortable, goûteuse, gourmande. Nous ne sommes pas sur une table gastronomique parce que nous avons une clientèle qui aime cet environnement de château convivial, facile d'accès, familial. Mais en même temps, nous sommes dans une recherche de cuisine qualitative et généreuse. Proposons également à nos clients plusieurs options en termes de nos tourismes, puisque nous sommes partenaires des vignobles Bonfils. Et à ce titre, nous sommes en mesure de proposer plusieurs tours et un vrai contenu onotouristique, dans le sens où on va pouvoir leur faire visiter des domaines, des caves, des lieux de vinification, et dans différents terroirs, notamment le Corbière, la Clap, Nervois, Sibadiès, Limoux également. Donc on a vraiment tout un panel de propositions en termes de nos tourismes. Nous travaillons également avec les vignerons alentour, puisque nous organisons toutes les semaines une rencontre entre un vigneron et notre clientèle. Et à ce moment-là, donc, on peut partager avec ce vigneron son vin et son histoire. Nous avons également une activité qui nous plaît beaucoup. Nous organisons des expositions, des vernissages de photographie en partenariat avec le festival Images Singulières de Sète et avec le collectif Tendance Floue à Montreuil. C'est d'être un lieu un peu perdu qui propose vraiment une photographie d'exception et une vraie qualité d'exposition à un public qui est soit résident, soit un public de passage.